Eh bien, salut tout le monde, c'est Mezo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, je dirais la vidéo spéciale de cette fin d'année sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Call of Duty Black Ops 2. Ce jeu qui sort mardi prochain, officiellement le 13 novembre, donc je l'ai précommandé. Et donc, je l'aurai au mieux le samedi d'avant ou au pire le lundi. Donc, j'aurai quand même la veille de sa sortie. Malheureusement, si je l'ai le lundi, eh bien, cela va poser quelques problèmes. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de tout ça, de mes projets sur Call of Duty Black Ops 2. On va en parler vite fait. Et puis, on va se quitter là-dessus. Ce sera une vidéo très courte, les amis. Alors, on va commencer tout de suite. Si, excusez-moi, si j'ai le jeu le samedi, je tournerai la campagne entière le week-end. Donc j'irai chercher le samedi matin et je tournerai tout le samedi et le dimanche. Mais bon, je pense pas que la campagne nous propose 16 heures de gameplay. Donc je tournerai toute la campagne entière et je la proposerai en 3 ou 4 épisodes de 50 minutes, voire 1 heure. Je pense que, parce que voilà, je pense que la campagne elle aura une durée de vie de pas plus de 4 heures. Parce que je la ferai en facile, bien évidemment. L'important c'est qu'on aille. C'est qu'on fasse toute l'histoire, voilà, d'un seul coup, d'une traite, les amis. Ça évitera qu'on meure qu'en soi, et puis voilà, ce sera un petit peu con sinon. Et si j'arrive à tourner tous ces épisodes, enfin, si j'ai le jeu le samedi en gros, parce que si je l'ai, je sais que je tournerai toute la campagne. Donc si j'ai le jeu le samedi, je proposerai le premier épisode le mardi soir, en revenant des cours. Donc je le uploaderai pendant le week-end, je la mettrai en non répertorié, je la mettrai en public le mardi soir, histoire que vous puissiez la voir. Cependant, si je l'ai le lundi, comme je l'ai dit, ça nous posera quelques petits problèmes. Si je l'ai le lundi, je tournerai la campagne le week-end d'après, malheureusement, parce que voilà, il y a les cours, et donc bah faut travailler. Et en plus, j'ai un contrôle d'économie, et donc faut que je le bosse encore plus. Et donc, bah, le problème, c'est que je serai en retard par rapport à d'autres youtubeurs qui, je le pense, feront des walkthroughs, tout comme moi j'ai décidé de le faire sur ce jeu. Voilà. Bon, bah, pour finir sur la campagne, donc voilà, donc ce sera pas un épisode par mission, hein, parce que ce sera des épisodes de 50 minutes, voire 1 heure. Peut-être même plus, on ne sait pas, parce que je sais pas du tout. De combien de temps est la durée du jeu en campagne. En tout cas, voilà, je compte vous proposer ça. Et donc ce sera pas par rapport aux missions, ce sera je sais pas, honnêtement je sais pas du tout, parce que je sais pas du tout, je connais pas du tout la durée des missions, tout ça. Mais on verra bien les amis. En tout cas, ce sera des longs épisodes. Je ferai une vidéo spéciale dans Nuketown 2025, car j'ai précommandé le jeu et donc j'aurai la map offerte, et donc je ferai une vidéo spéciale dedans. Une autre vidéo spéciale que je ferai en zombie. Donc je ferai une vidéo en mode zombie en français et en anglais. Ce sera une vidéo assez courte, ce sera une vidéo vraiment découverte. Donc quand je dis assez courte, ce sera, je sais pas, moins 20-25 minutes environ. Les vidéos longues d'une heure, une heure et demie, deux heures, je les ferai quand il y aura toute la team. Donc quand toute la team aura le jeu. Voilà. Quand je dis la team, bien évidemment, vous savez très bien qu'on n'est pas une team, mais vous voyez à peu près de qui je parle. Exo, Keros, Fusion, tout ça, quoi. Et comme je sais qu'ils l'auront pas, ils l'auront pas tous le jour de la sortie, eh bien, voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos longues. De toute façon, tout seul, j'y arriverai pas. Il faudra qu'ils soient là avec moi pour m'aider. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un petit message. Je ferai aussi une vidéo, là, ça concerne le multijoueur de Call of Duty Black Ops 2, une vidéo découverte des armes, accessoires, des classes, bah de tout le menu en fait, hein, je vous présenterai les score streak, tout ça. Donc tout a déjà été fait dans des vidéos, par exemple celle de Monsieur le V12. Ça, ce sera une vidéo assez longue, enfin, quoi, que je sais pas en fait, ce sera peut-être une vidéo de 30-40 minutes. Parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et beaucoup d'accessoires à voir. Enfin, voilà, la personnalisation dans Black Ops 2 est vraiment beaucoup plus complète que dans les autres Call of Duty, donc ça va nous prendre plus de temps. Je vous présenterai aussi dans cette vidéo ma classe préférée pour l'instant, ma classe coup de cœur. Parce qu'à chaque fois dans Call of Duty, j'en ai une dès le début, et donc bah, je vous présenterai cette dernière. Voilà, voilà. En tout cas, après tout ça, après toutes ces vidéos spéciales, je compte vous proposer des vidéos normales, des commentaries, voilà, des gameplay, peut-être des amazing scores de Keros s'il reprend la main sur ce Call of Duty Black Ops 2. Là, excusez-moi, voilà, donc s'il reprend la main, bah voilà, je vous proposerai des commentaires, des gameplay, des amazing scores de Keros, les amis. En tout cas, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, ce sera tout pour cette petite vidéo pour Call of Duty Black Ops 2, cette vidéo annonce officielle. Il fallait que je la fasse, et bien je l'ai faite, les amis. Et
Et puis voilà, en tout cas, je continuerai aussi les autres vidéos dans les autres jeux, tels que le playthrough sur. Walkthrough, pardon, sur. Viking Battle Forest Guard, et puis bah, d'autres gameplays dans d'autres Call of Duty, dans Battlefield, et puis des vidéos, des tentes et découvertes. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne deuxième semaine de vacances. Prenez soin de vous, et bah, à la prochaine pour d'autres vidéos, et puis à la semaine prochaine pour Call of Duty Black Ops 2.